tu as rendu les armes. Et pourquoi? Pour devenir père. Tu sais, Iden m'a peut-être trahi, mais toi, Athel, tu m'as laissé tomber! Aske, ne te lance pas à sa poursuite. Ça finira mal pour toi. Pensez à enterrer Del Meeko et son équipage. Mais ne touchez pas au Corvus. Vous savez qu'elle va venir le chercher. C'est bien ce que j'espère. Je t'ai proposé un vol d'entraînement, je ne pensais pas exactement à ça. T'en fais pas, maman. Arrête des vieux jeux comme ça. Pardon, vieux jeu? Attends un peu, laisse-moi t'apprendre quelques trucs sur les X-Wing et sur la sécurité. On reçoit un appel du Corvus. Ton père n'est pas censé rentrer avant plusieurs jours. Iden, ici Shriv. Je vous envoie des coordonnées. Il faut qu'on se voie. On arrive. Oh, Ruchreev, ta grosse tête m'a manqué. Oh. Toi aussi, tu m'as manqué. Est-ce que tout va bien? Ta mère est par là. Oui, elle cherche son mari. Contente de te voir, Shriv. Où est d'elle? Je cherchais des informations pour la résistance dans le système Jinata. Ça s'appelle le projet Résurrection. Il y a des gens qui disparaissent, et le général Organa pense que le premier ordre n'y est pas pour rien. J'ai été surpris quand mes scanners ont capté le Corvus sur Pilio. Qu'avez-vous trouvé? Rien du tout. Le vaisseau était vide et toute la planète est recouverte de mines. J'ai cherché partout, mais aucune trace de Del. Donc, j'ai consulté le journal du vaisseau et j'ai trouvé ça. Avant Pilio, Del s'est posée sur Atula, une planète en bordure du système. Quelqu'un là-bas doit savoir ce qui lui est arrivé. Oui, je l'espère. Parce que c'est notre seule piste. Shriv, mettez le cap sur Atula. Oui, madame. Elle n'est pas là. C'est pour nous aider qu'il vous envoie. Les Jinata ont enlevé tellement de familles, nous sommes au désespoir. Quelqu'un est en train de brouiller le signal. Vaisseau de la sécurité Jinata en approche. Les troupes de Gleb. Qu'est-ce qui se passe? On a de la compagnie. Shriv, j'ai besoin d'un analyste expérimenté sur le pont. Zay. Je sais que c'est un peu soudain, mais tu es prête. Retrouve-moi au hangar. Eh bien, salut les vilains, on se retrouve donc aujourd'hui pour un nouvel épisode d'espèce sur le Star Wars Battlefront 2, donc la campagne. Je vous l'avais promis qu'on ferait donc les épisodes spéciaux, vous savez, dès qu'il y a une extension qui sort. Malheureusement, j'ai été très occupé. Et du coup, je ne pouvais reprendre que maintenant. Et je m'en excuse. Et j'en suis même désolé d'ailleurs, parce que ça a l'air vraiment très sympathique. Qu'est-ce qu'on fait, Iden? Vous pouvez approcher le Corvus de cette frégate. Il va falloir se débarrasser de ces vaisseaux. Je peux éviter les astéroïdes ou les lasers, pas les deux. Je détecte des chasseurs et des transports. Je me charge desquels. Il faut se débarrasser des deux. Suis-moi et fais attention à ces astéroïdes. Bah c'est sympa ça, pour une fois qu'on affronte pas l'Empire ou la Résistance. Attends mais ils ont quoi? C'est quoi leur vaisseau là? Je les tire maman. On dirait les vaisseaux qu'on trouve dans le sur les maps du premier Star Wars. En tout cas de la prélogie. Ok, ça c'est fait. Ah, il y a des renforts, c'est comme ça. En tout cas, ils sont stylés leurs vaisseaux. Ok, toi, t'es mort, c'est fini. Hop, tu dégages. D'après mes scanners, les transports sont presque vides. Les hommes de Gleb doivent s'en servir pour transporter les prisonniers depuis Atula. Et un de moins. Et Battlefront, c'est comme le vélo, ça s'oublie pas. Ok, il reste plus qu'un vaisseau. Et voilà. Tu déchires, maman. C'est moi ou ces transports nous attaquent? Les transports armés sont indispensables. On fera attention à leurs lasers. Zay, avec moi, on s'occupe des transports. Ok, j'étais un petit peu perdu, je vous avouerai. Donc je dois péter les transports qui sont ici. Je dois viser où pour les... Voilà, c'est là. Aïe, 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 aïe. Arrêtez. Voilà, prends-toi ça à la gueule. Oh merde. Je me suis écrasé sur le Corvus. J'espère qu'on va reprendre pas trop loin. Waouh, ces transports nous attaquent. Les transports armés sont indispensables. On fera attention à leur laser. Zay, avec moi, on s'occupe des transports. Attends, mais ils font super mal. Ils sont bien tank en plus. Attends mais le Corvus, va encore me crash la gueule. Allez. Non mais attends mais. On va passer notre vie là-dessus hein. Allez mon gars. Allez. Il faut mourir maintenant. En vrai c'est le Corvus qui me fait le plus peur. Attends, mais il se positionne bizarrement aussi là. Il va me tuer. Ok, de deux. Vous savez, abattre mes vaisseaux n'arrêtera pas notre opération. Vous parlez du projet Résurrection. C'est comme ça que Gleb l'a fait. Moi j'appelle ça, comme tout le monde, du trafic. Enfin, tu nous avoueras que... si on te tue ici et maintenant, bon ça va mettre un peu des bâtons dans tes roues quand même. Vous croyez vraiment? J'ai des quotas à remplir moi. Si je ne le fais pas ici, je le ferai ailleurs. Et tu vas le faire où? Tu vas décéder. Ton vaisseau il explose, tu meurs hein mon gars. Va falloir retrouver le sens des réalités. Shriv, attirez leur attention pendant qu'on détruit dans leur moteur. 5 sur 5. Passez devant. Ça a l'air de marcher. Alors on continue. J'ai besoin de ces trucs. Arrêtez. Ah. Ça panique d'un coup hein. Pour ça qu'on comprend ce qui lui arrive. Allez. Voilà. À dégager mon gars. Vous avez réussi. Les moteurs sont HS. Limakai, je vous donne une dernière chance de vous rendre. Gleb ne paie pas pour me rendre. Elle me paie pour remplir ma mission, et c'est bien ce que je compte faire. Mais tu vas faire quoi? Tu vas sortir la rame spatiale? Limakai se dirige vers vous à bord d'un chasseur N1 ultra modifié. Et il a des chasseurs lourds avec lui. Je vais distraire Limakai pendant que tu t'occupes des autres. Zay, attends! Trop tard! Bon, les ailiers, je vais les atomiser vitesse lumière. Hop! Voilà, un en moins. Et maintenant, occupons-nous dans quelque part. Et eux deux. En fait là si je comprends bien ils font un trafic d'enfants. Ces fameux enfants enlevés très tôt à leur famille pour devenir des Stormtroopers, c'est ça? Tu vas y arriver. Concentre-toi. Et du coup on a vu que c'était une planète qui n'était pas habitée par des humains entre guillemets hein. Donc vient ma question, parce qu'on n'en a jamais vu, est-ce qu'il y a des Stormtroopers aliens en fait? Ça serait rigolo d'en voir un jour. Et ça serait logique aussi. J'y travaille. Les alliés ont leur compte. J'arrive, Zay. Je suis touché. Dis-moi que tu vas bien. Ça va, mais fais attention. Limakai revient pour s'occuper de toi. Je me charge de lui. Va te mettre à l'abri sur le Corvus. Oui, chef. Vous avez vu Atula? Cette planète est un enfer. Je sais pas où Gleb envoie ses enfants, mais je vous assure qu'elle leur rend service. Viens là, viens là. Tu vas voir, tu vas être moins bavard d'un coup. Utilise ton impulsion ionique. Attends, il y a un missile qui me suit là. Ça doit désactiver les bombes avant qu'elles n'explosent. Bah je l'ai déjà fait hein. J'ai pas attendu le tutoriel en fait. Voilà. Oula, il prend des risques lui, il aime bien. Mais oui mais c'est les vaisseaux du... Attends. Mais ouais c'est les vaisseaux qu'on voit dans les dans la prélogie Star Wars. Je me suis dit ils vont utiliser de nouveaux vaisseaux tu vois. Et en fait non, ils ont quand même trouvé le moyen de recycler. Alors ça fait bizarre une fois que tu le remarques. Hop là, ça s'est annulé. Et oui, vous voyez, ça c'est le vaisseau qu'on peut voir dans le Star Wars 1. D'ailleurs, il me semble que Anakin, jeune, il monte dedans et là, il va tuer quelques droïdes en étant à l'arrêt. Arrêtez! J'ai quelque chose pour vous. Rien qui m'intéresse, Limakai. Je voulais entendre le boom. Ah, c'est pas vrai! Allez, adieu. Je sais que le terme est un peu fort, mais je détestais vraiment ce mec. Je vais poursuivre la frégate. Maman, attends. C'est fini. L'Opportunity vient de se rendre. Quoi? J'abats leur leader et ils se rendent aussi facilement? C'est peut-être parce que je leur ai dit qu'on n'était pas réattiré tous nos missiles à concussion en même temps. Zay, tu sais pourtant que le Corvus est désarmé depuis des années. Mais eux ne le savent pas. Non, c'est vrai. Du beau boulot, soldat. Mais c'est pas tout. Ils ont craché le morceau. Gleb a embarqué Del quand il a découvert le projet Résurrection. Où est Del? Vous n'allez jamais le croire. Vous avez dit à Zay de rester sur le Corpus. Elle s'est bien débrouillée sur Atula. On pourrait avoir besoin d'elle ici. Gleb est une partie de ma vie que j'essaie d'oublier. Que Zay connaisse mon passé, c'est une chose. Qu'elle se retrouve face à lui, c'en est une autre. Je comprends. Bon, enfin, elle veut juste protéger sa fille, quoi, hein, voilà. Je pense que c'était pas la peine de sortir des sortes de punchline. C'est sympa. Ce n'est pas de la neige. C'est de la cendre atmosphérique. Le résultat de l'opération Cendre. Les restes d'une ville morte depuis des décennies. Bon, vous savez quoi? Je ne dis plus rien. De la cendre atmosphérique? Quoi? Iden, regardez. Qu'est-ce que c'est que cette lumière? Le premier ordre. C'est forcément eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Allons-y. En trouvant Gleb, on découvrira ce qui est arrivé à Del. Et vous pourrez rejoindre la Résistance pour tirer les choses au clair. C'est pas supposé être le méga laser là qui a détruit la République. Ça se passerait à peu près au même moment que Star Wars 7 du coup. Je pensais que Gleb avait abandonné Vardos en même temps que l'Empire. J'avais tort. C'est Gleb. C'était Gleb. Aske. Lâchez vos armes. La tutélaire s'est avérée ne plus être très utile au projet Résurrection, ni au Premier Ordre. Le projet Résurrection? Kidnapper des enfants. Des sauvetages. Pour transformer les enfants en une armée comme cette galaxie n'en a jamais connue. Du jamais vu. Le Sénat ne vous laissera jamais faire. Aujourd'hui, le Sénat et tout le reste du système Hosnian ne sont que des cendres. Toutes ces lumières rouges dans le ciel. Magnifique, n'est-ce pas? Depuis des années, la République n'a strictement rien fait. Et pendant ce temps, nous nous sommes préparés pour cette journée. Tu vois, Iden, j'espère que tu apprécieras. Aujourd'hui est un jour spécial. J'ai choisi d'être avec toi. Dans ce lieu où tu m'as absolument tout pris, notre escouade, ma famille. J'ai attendu si longtemps pour te le faire payer. D'abord avec Del, et maintenant, avec ta fille. Mon masque. Non. Bon, elle est pas morte, hein, c'est évident, mais... Découvrez ce qu'ils savent sur la Résistance et brûlez cette ville. J'ai dû vivre dans ta galaxie, Iden. Maintenant, c'est à toi de vivre dans la mienne. Vardos et ils défendent leur vie. Ça ne veut pas dire qu'ils sont de notre côté. Bon, elle est pas morte sa fille. Ils ont même pas dramatisé, tu sais. En plus ils ont un petit peu introduit le personnage, c'est un peu une casse-cou. Elle est assez intelligente, elle est maligne et tout. Bon, ils ont pas introduit le personnage pour la faire crever comme ça dès le début. C'est dommage parce que si on était un peu mieux fait on aurait pu y croire. Là, oh bah putain je me fais défoncer quoi, c'est un plaisir. Regardez, ils sont trop occupés à s'entretuer pour nous remarquer. Dans ce cas, profitons-en. Allons-y. En fait, à ce moment-là, il faut pas se mêler au combat. Il faut passer sur le côté. Et laisser s'entretuer, comme ils disent. Passer par là. Ah oui, ça marche. Bon, tu sais quoi, toi, je vais te laisser tranquille. T'as de la chance. Je suis Clément. Ce soir, alors, qu'est-ce qu'on a là? Un joli lance-roquette, on va forcément en avoir besoin. Aïe 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 aïe. Un scan s'il te plaît. Et on passe par là. Tu crèves, toi tu crèves aussi. Ok, go 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 go. Il nous barre la route. Ah bah voilà, il nous barre plus la route. Un petit headshot. Et les problèmes sont réglés. Toi avec ta vieille matraque électrique, je sais pas ce que t'as voulu faire. Je sais que t'es là. Allez, fais pas genre, on sait que tu vas mourir, voilà. C'est pour changer d'armes, je m'en fous. Ça. C'est stylé, ça m'avait manqué un petit peu, je suis bien content de retrouver Battlefront 2 là. Un petit peu de shooter. Je vais me faire défoncer. Ok, ça. Ok. Attends de récupérer un peu de vie. Oh, il y a une toile là. Merde, merde, merde. Casse-la, casse-la, casse-la. Ok. Let's go. Attention à ennemi lourdement armé. Voilà, on passe tranquille, tranquille, j'ai dit. Qu'est-ce qu'il y a ici? Il faut récupérer un truc. Karaté. Toi, tu dégages. Oh, j'ai droité, voilà. Il m'a attendu, il est gentil. Olé! Tu peux me pirater ça? Dio, repère tous les signaux de détresse de la ville. Les renforts arrivent à l'étage inférieur. Oh non. Pas ça! Ils arrivent par où? Non, 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 non! Ça arrive des deux côtés. Prendre ça. Dégage. Oh non, pas le lance-flamme. Bon, je me baisse. Ah, je me baisse avec rond, merde. Vous avez raison. C'est pas la touche habituelle, ça. Non, 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 non. Il m'a attendu. Il m'a attendu, le salaud. C'est vrai que tu vois qu'ils ont vraiment rien à foutre de mon pote. Ça tu vois, je trouve que c'est quand même... Ça c'est vraiment... Ce qui te sort des shooters, c'est que t'as toujours quelques alliés comme ça, qui déjà servent pas à grand chose, mais en plus les ennemis, ils en ont rien à foutre. Alors à un moment c'était plutôt bien fait dans les campagnes de certains Call of Duty, tu vois, genre ton allié au bout d'un moment il prenait un certain nombre de dégâts et du coup il tombait à terre. Et il mettait un petit moment à se relever. Normalement, il se relevait à la fin de l'affrontement. Alors, c'est pas logique, mais au moins, tu vois, les ennemis, on avait quelque chose à foutre de lui. S'il était devant, ils allaient le tuer en premier. Après, ils allaient s'attaquer à toi. Ils le laissent à terre et ils font bon, bah voilà, c'est bon. On va le laisser comme ça, tu vois. Mais là, quand tu vois tous les Stormtroopers passer devant le mec, oh bah non, nous, ce qui nous intéresse, c'est juste de tuer la meuf. Lui, oh, il nous tient dessus, non, rien à foutre. De lance-roquette et on va prendre ce super véhicule juste ici, pimpé et tout. Oula, oula là, c'est quoi ce plan foireux là? Vous donnez un véhicule, mais c'est un trap ici là. C'est vraiment foireux. C'est vraiment foireux. Heureusement que le mec qui pilote le truc, il est débile parce que normalement, il m'atomiserait. Ah non, mais t'as raison, tourne-moi le dos. En plus, du coup, t'es faible de derrière. Voilà. Le vaisseau, il va exploser. Je vais descendre. Mieux vaut descendre maintenant plutôt que descendre 6 pieds sous terre. Ah bah tiens, c'est parfait. Prends-le. Merci. Allez, ciao. Ah mais attends, mais il y a un truc à faire. Atteindre. Atteindre quoi? Dégage toi. Qu'est-ce qu'il y a à atteindre ici? D'ailleurs on l'atteint par où? Comment? Ok, c'est par là. Sécuriser la zone. On se rapproche. Il faut qu'on sécurise la zone avant d'ouvrir le module de sauvetage. Bonne idée. Évitons de mettre Zay en danger. Sécuriser la zone, ça veut dire tuer 300 soldats. Je vous avouerai, ça va être un peu galère. Hop. Ok, dac. Il est énorme. On ne peut pas combattre un truc comme ça. Dépêchez-vous, nous devons trouver Zay. Et meurt. Oh, salaud. Ouais, c'est ça. Montre-moi ton petit dos. Oh merde. Qui c'est qui me tire dessus? Il est où? Où tu te caches, enculé? Attends, on va se mettre là. Tiens, prends ça dans ta gueule. On fait pas chier. Là-bas, je voulais stun le... le véhicule, mais oh non, je vais mourir, non. Active ça vite. Je vais me faire buter. Non, 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 pas maintenant. Ouf, on a eu chaud. Ok. Toi, tu crèves. Localisation des ennemis. Oh non, je l'ai raté. Non, quand même pas. C'est honteux. Allez, meurs. Tu vas mourir, oui. Pendant ce temps-là, ça spawn à l'infini. Il me dit sécurise la zone, il se fout totalement de ma gueule. Foutez-vous bien ma tronche. Stop le spawn infini là. Et regardez, il gogolise en plus, il sait pas ce qu'il fait ce con. Il tourne en boucle, mais il veut pas mourir. Voilà. Pas trop tôt. Faire un petit scan. S'il te plaît. Zone sécurisée. Parfait. Fouillons ce module de sauvetage. Un petit génocide quand même. Allez, on va interagir ici. Fioup. Non. Oui, si. Zay n'est pas là. Ne vous inquiétez pas. Zay est intelligente. Elle est forte. On va la retrouver. Ah ouais d'accord, en fait personne n'a de doute sur le fait qu'elle a survécu quoi. Ok, très bien. On est tous d'accord à ce niveau là finalement. Faites gaffe, vous l'avez trop peur. Ouaïe aïe aïe. Pourquoi tant de méchants? En plus pour le coup ils veulent tous notre mort. Hein. Oh, ils s'entretuent mais ils nous voient passer, ils tirent, ils s'en foutent. Carabasse, le module est pris entre deux feux. Qu'est-ce qu'on fait? On les élimine tous, jusqu'au dernier. Ouais, bon plan ça, Iden. Bon plan, très bon plan. Je sais que je vais m'en occuper parce que j'ai un skill divin, bien évidemment, mais quand même. Pense aux autres joueurs, voyons. Voilà. Hop. On ne peut pas ouvrir le module tant que la zone n'est pas sécurisée. Alors attends, normalement, dans l'idée, il faut tuer... Enfin, il faut détruire le véhicule s'il y en a un. Et après, ça arrête de spawn. Alors, est-ce qu'il y en a un d'ailleurs? On dirait pas. Bon, ça doit être différent cette fois-ci. Alors lui, je lui ai mis un headshot, mais je crois que ça n'a pas suffi pour le tuer. Non, il est vivant. Bon. Je crois qu'on va devoir les achever au corps à corps. Hop. Petit nettoyage. C'est bon? Ok. Fouiller le module de sauvetage. Il était en plein milieu en plus. Bon, il n'y a personne évidemment. Il est vide. Waouh, waouh, la caméra. Youhou. Ok. Ne vous en faites pas. Elle est forcément. C'est un petit spin. Il faut juste trouver. Du coup, prochaine direction là. Non, des propositions. Il y a un troisième signal. Ça pourrait être Zay. Elle est vivante, Shriv. Et elle est toute seule. Suivez ce signal. Ok. Donc notre fille se trouve par là-bas. Nous, on va arrêter l'épisode ici. On se retrouvera très rapidement pour un nouvel épisode. Voilà, vous aurez normalement des épisodes tous les lundis, mardis, jeudi et vendredi de Star Wars Battlefront 2. En tout cas, jusqu'à ce qu'on finisse ces missions en Résurrection. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire, un pouce bleu. Et sur ce, je n'ai plus qu'une seule chose à vous dire, tout le monde. Tchuss. Et à la prochaine.